Comme vous le savez, j'ai le fait de gaieté de cœur pour avoir été moi-même un acteur du mouvement Navetan, un membre créateur d'une ASC, un dirigeant j'ai eu à faire partie du bureau de la zone 3. Donc, et c'est pourquoi j'ai pu apprécier l'importance quand même de ce soutien envers la jeunesse qui passe énormément de temps durant les vacances quand même pour s'épanouir dans une des activités les plus nobles qu'est le sport, qui est une activité d'endurance, de compétition, mais qui contribue aussi à la santé de la jeunesse. Donc c'est là effectivement la troisième année qu'il choisit ma modeste personne comme parrain. Et c'est toujours de gaieté de cœur que je le fais conformément aux directives du chef de l'État qui nous demande d'être toujours présents à notre base, d'être présents au niveau des populations, au niveau de la jeunesse. Et aussi, je le fais aussi en parfaite intelligence avec notre responsable local qui est le ministre maire Mansour Faye. Et ensemble, nous travaillons pour l'épanouissement de la jeunesse de Saint-Louis. À Saint-Louis, de manière générale, les compétitions se passent dans la sportivité. C'est rare quand même qu'il y ait de violence. Donc j'ose espérer que les deux équipes vont nous gratifier d'un bon match de football avec un esprit de compétition et un esprit de sportif, de fair play. Effectivement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, durant l'après-midi, j'ai pu visiter les deux équipes, leur donner aussi notre soutien pour l'organisation de cette belle finale. J'espère que la finale sera une très belle finale et qui sera amplement discutée.